J'ai vu que vous faisiez des travaux de recherche sur les représentations de la Première Guerre mondiale dans les jeux vidéo. En quoi consiste-t-il ? Alors, je vais te parler même de comment j'ai fait la genèse de ce travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, au début, je suis un joueur. Alors, peut-être que je te spoil la question d'après, mais non, ça va. Un peu. Moi, au début, je suis un joueur. Et en fait, je suis passionné d'histoire depuis que je suis tout petit. Et c'est pour ça que je te parlais des différences de public. Moi, mes parents, ils m'ont emmené beaucoup au musée. J'aimais beaucoup la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Et donc, j'avais ce niveau de lecture qui était... J'en attendais plus, quoi. Et donc, voilà, je suis parti après mon bac, je suis parti à l'université. J'ai fait une licence, un parcours lambda, et puis j'ai fait un master de recherche en histoire culturelle et sociale. Et là, je me suis dit, donc, dans un master, on doit faire une recherche, c'est-à-dire qu'on va écrire un mémoire, on va choisir son sujet de recherche, et on va rédiger quelque chose pour faire une recherche scientifique autour de l'histoire. Je suis parti là-dedans et j'ai eu comme première idée de travailler sur les jeux vidéo parce que les jeux vidéo historiques, qui est une partie des jeux vidéo, donc c'est ceux qui représentent l'histoire, de la même manière qu'un roman, de la même manière que le cinéma, de la même manière que tout ce que tu veux, que toutes les représentations de l'histoire, et ça m'intéressait particulièrement. J'y jouais beaucoup et j'ai eu envie de travailler dessus. En quoi ça consiste? C'est-à-dire que j'ai choisi 4 jeux vidéo. Alors il y en a des très connus là-dedans, c'est Battlefield 1, Verdun 1914-1918. Il y avait Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre d'Ubisoft et 1916 Der Rubikant Krieg, qui est un jeu moins connu, c'est fait par des Danois et qui est un projet étudiant. Et l'idée, en fait, c'était de comprendre, pas de faire du fact-checking, c'est-à-dire de dire oh là là, c'est pas la mauvaise arme, c'est pas la bonne arme plutôt, oh là là, c'est pas le bon uniforme, etc. Mais c'était vraiment de comprendre les logiques des développeurs quand ils ont choisi déjà un sujet historique, donc quand ils ont décidé, les gars, on va faire un jeu historique, et qu'ensuite, ils se sont dit, on va le faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, les choix de représentation. Et ça, c'était très intéressant. C'est-à-dire que j'ai interviewé les développeurs, je leur ai posé la question, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez choisi tel truc? Est-ce que le réalisme des armes et des uniformes, c'était très important pour vous? Qui vous a aidé à les faire? Comment vous avez fait les sons des jeux? Il faut vraiment toucher l'ensemble du jeu, parce que c'est une production très complexe, c'est une grosse production culturelle. Il faut bien s'imaginer qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est la plus grosse production culturelle dans le monde et déjà en France, c'est des chiffres bien supérieurs au cinéma, bien supérieurs aux livres, bien supérieurs à tout. C'est vraiment quelque chose d'énorme le jeu vidéo et c'est quelque chose qui touche toutes les populations. Et donc, il y a toutes ces logiques commerciales qui rentrent aussi dans le jeu, c'est-à-dire que le but des entreprises qui font des jeux vidéo, c'est de pouvoir le vendre. Et donc, on va faire des choix de représentation de l'histoire pour que ça touche un maximum de gens, pour pouvoir le vendre. Mais des fois, il faut faire attention, parce que dans le jeu vidéo, comme tu me le disais au tout début, il y a aussi le jeu vidéo historique, il y a aussi cet aspect de mémoire. Si tu fais un jeu vidéo sur la Première Guerre mondiale et qu'on t'explique et que tu n'as pas ce discours sur la mémoire, sur l'histoire, ça va être vu comme quelque chose de mauvais, et en fait, les gens ne vont pas acheter ton jeu. C'est vraiment... marcher sur un fil, de faire ces choix de représentation, parce que à la fois, tu dois être fidèle à une mémoire, tu dois être fidèle à l'événement et ne pas le tourner en dérision, mais de l'autre côté, ça reste un jeu, et donc il faut que ça soit marrant. Et donc, des jeux de tir sur la Première Guerre mondiale, comme Battlefield, ça a tout de suite fait polémique, notamment dans le monde anglo-saxon et en Allemagne, en se demandant une chose, mais est-ce qu'on a le droit de faire un jeu sur la Première Guerre mondiale où on tue d'autres gens? Et c'est un vrai problème, parce que c'est une... mémoire très compliquée dans le monde anglo-saxon, parce que c'est vu comme une guerre, très triste en fait, parce que les gens ne font que mourir. Il n'y a pas de grandes. Enfin, on n'imagine pas les grandes actions militaires, on voit vraiment que ces millions de morts de la Première Guerre mondiale, cette boucherie. Pareil en Allemagne, mais en Allemagne, la Première Guerre mondiale est quelque chose d'un peu plus difficile dans la mémoire, dans le sens où elle a été beaucoup occultée par la Seconde, et donc on n'y pense pas beaucoup. Et là, en France, ça passe plutôt bien parce qu'il y a aussi ce côté défense du territoire national, tous ces soldats qui sont patrifiés, qui sont sacrifiés plutôt pour la patrie, etc. Mais il y a vraiment, c'est très difficile en fait de faire un jeu sur la Seconde Guerre mondiale, pour plein d'autres choses, c'est qu'il n'y a pas d'ennemis clairement identifiés. La Seconde Guerre mondiale, c'est plus simple. Les nazis, on sait tout de suite que c'est les ennemis. Et en fait, il y a ce combat entre le bien et le mal, là où la Première Guerre mondiale, c'est juste des gars de plein de nations qui se retrouvent en guerre et il n'y a pas d'ennemis clairement établis. Pourquoi la Première Guerre mondiale? Parce qu'on était en plein dans le centenaire, donc centenaire de la Première Guerre mondiale, on était entre 2014 et 2018, j'ai fait ma production entre 2016 et 2017, et c'était assez intéressant parce qu'en fait,
Les jeux vidéo ont beaucoup poncé la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, c'est l'événement qui est le plus représenté dans le jeu vidéo. C'est un truc de fou. C'est plus de 70% des jeux vidéo historiques, c'est de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, là, arrivant centenaire, voyant que la Seconde Guerre mondiale commence à s'essouffler dans les productions vidéoludiques, parce que le public, à force de se taper des jeux sur la Seconde Guerre mondiale, il commence un peu à en avoir marre, il veut du renouveau. Et donc, qu'est-ce que vont faire les développeurs? Ils vont essayer d'explorer autre chose pour proposer quelque chose d'innovant, un autre contenu. Et donc, en plein centenaire, Battlefield, ils vont se dire une chose, on va faire un jeu sur la Première Guerre mondiale. Voilà, ça va tout casser parce qu'on est en plein dans le centenaire, ça ne s'est jamais fait avant. Le but, c'est vraiment de proposer quelque chose de tout nouveau. Et c'était très intéressant parce que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Battlefield 1, comme si c'était le premier Battlefield, parce que le premier vrai Battlefield était sur la Seconde Guerre mondiale. Et donc celui-là se place avant tous ceux sur la Seconde Guerre mondiale. C'était vraiment une espèce de retour aux sources pour eux, et ce qui leur a permis de relancer la franchise. Parce que ce jeu a été vu comme super, on a revenu sur un truc historique qui touche bien les gens, et ça, c'était vraiment un moment de relancer la franchise. Et vraiment, c'est un moment où en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de productions vidéoludiques sur la Première Guerre mondiale, là où c'était très difficile. Parce qu'il faut bien s'imaginer plein de choses. La Première Guerre mondiale, c'est très difficile à faire jouer. C'est une guerre statique, on n'avance pas trop. C'est un jeu, en fait. Il faut qu'il y ait de la progression pour le joueur. Il faut qu'il ait l'impression d'avancer vers la victoire. Il faut qu'il ait l'impression de jouer quelque chose qui le permet d'aller jusqu'à un bout, jusqu'à quelque chose qui lui donne satisfaction d'avoir avancé. Là où c'est très statique, où on a l'impression qu'en fait, le soldat, c'est pas lui qui est maître de son destin. Et j'avais eu cette discussion assez intéressante avec un historien qui s'appelle Nicolas Beaupré, qui a beaucoup travaillé sur les échanges épistolaires pendant la Première Guerre mondiale. Et on avait évoqué l'idée de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça pourrait être un bon jeu sur la Première Guerre mondiale. Et en fait, un bon jeu, ça pourrait être du poker, c'est-à-dire c'est un jeu de hasard. À chaque fois, tu fais tapis et en fait, c'est au hasard si tu gagnes ou pas. Parce que le problème, c'est que quand tu es dans une tranchée, quand tu es sur le champ de bataille, c'est les obus qui claquent. Tu peux mourir à tout instant. Et c'est pour ça que c'est très difficile de représenter ça. Parce qu'il n'y a pas cette progression, parce que le soldat n'est pas vu comme maître de son destin. Là où la Seconde Guerre mondiale, on a l'impression que les soldats, c'est par leurs actions en fait, qu'ils restent en vie. C'est parce qu'ils sont des bons combattants, etc. Et puis, il y a tout ce côté... les productions vidéoludiques sont très anglo-saxonnes. Hein. Comment ça s'appelle ? DICE, par exemple, qui fait Battlefield, et édité par Electronic Arts, qui est aux États-Unis. Donc forcément, on est dans un monde anglo-saxon, les choix de représentation se font dans ce monde-là, et là, la mémoire de la Première Guerre mondiale est très différente de celle de la Seconde.